Le discours du président du Parlement a été un très bon discours. Et il a parlé de la paix. Et c'est vrai, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nous devons réfléchir comment chacun de nous peut apporter la paix dans ce pays-là. Et c'est un discours très bien réfléchi. C'est un discours qui a pris en compte toutes les préoccupations de l'heure du pays en compte. Donc ça veut dire que vraiment, le président du Parlement a la tête sur les épaules et qu'il sait la tâche qu'il attend et il sait comment peut-on vraiment réussir la mission que nous, les députés, nous lui avons confiée. Je crois que le président Valavono a replacé le Parlement dans sa mission régalienne. Il a insisté sur le fait que cette session s'ouvre juste après la grande rencontre de dialogue politique et qu'il faille tout faire pour transformer ou transcrire en actes législatifs les conséquences ou les retombées de ce dialogue. Il a fait le cas aussi de ce que nous sommes là aussi pour le contrôle de l'action gouvernementale et que la session budgétaire qui est une session où nous avons la chance de faire le plaidoyer, de discuter, d'échanger avec les ministres, que ce volet-là soit aussi une réalité. Il s'agit d'une session budgétaire. Le discours du président de l'Assemblée nationale s'est focalisé sur cette session et a relevé tous les dossiers, les grands dossiers à l'ordre du jour. Principalement, vous savez qu'il y a le budget général de l'État qu'on va étudier et voter. Ça, c'est le point culminant. Mais ensuite, cette session budgétaire a une particularité qu'à l'intérieur de cette session, nous aurons à voter un certain nombre de tests qui nous se sont imposés à nous parce que faisant l'objet donc des recommandations qui ont sanctionné le dialogue politique. En plus de cela, le président Louis Vavoune, dans son discours, a remis l'Assemblée nationale, la 8e législature, devant sa responsabilité. Il a mis beaucoup l'accent sur le rôle du contrôle de l'action gouvernementale. Il a dit que l'Assemblée nationale, la 8e législature, s'appuiera fondamentalement sur la commission des finances qui, au titre donc de notre règlement intérieur, est habilitée à aller faire des investigations au sein donc des entreprises publiques et semi-publiques. Donc ce volet a souvent été ignoré dans le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. On ne s'appesantissait que sur les questions orales, les questions d'actualité. Mais le président Vavoune a dit que la 8e législature va donc explorer beaucoup plus ce sentier qui est le contrôle des entreprises publiques.